Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère en cette période un peu compliquée que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est très très important et surtout le confinement aussi c'est très important. Restez chez vous, comme ça vous pourrez prendre soin de vous et de vos proches. Même si c'est très difficile, il faut le faire pour voir le bout du tunnel. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo. Elle sera courte, ne vous inquiétez pas, mais c'était surtout très important pour moi. Je voulais remercier toutes ces personnes qui, eux, n'ont pas la chance d'être confinées. Oui, là, je peux dire une chance quelque part. Pourquoi? Parce que ce sont toutes les personnes soignantes, les docteurs, les infirmiers hospitaliers, les aides-soignants, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, mais aussi les infirmiers libéraux, les auxiliaires. Moi, pour ma part, j'ai des infirmiers libéraux et j'ai des auxiliaires qui se déplacent pour mon bien-être, mais qui ne peuvent pas être confinés auprès des leurs, donc qui sont exposés à ce virus. Et quelque part, franchement, je suis respect pour eux de pouvoir prendre cette responsabilité. Des caissières qui travaillent pour que nous puissions quand même continuer à faire nos achats premiers. Elle aussi s'expose. Tous ceux qui travaillent dans les magasins, les gendarmes, la police, pour faire respecter l'ordre, les militaires. Voilà, vous voyez, vous comprenez, j'en oublie tant, j'en oublie parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément pour qu'on puisse un minimum être au mieux dans cette période de confinement. Et toutes ces personnes, eh ben, je tiens à les remercier, à leur montrer tout mon respect. Et je pense qu'il faut quand même les applaudir. Le fait de les applaudir tous les soirs à 20h, je trouve ça super. Comme moi, vous vous doutez bien, je ne peux pas le faire. Ben, j'ai voulu leur dédier cette vidéo pour leur dire que franchement, ils ont tout mon respect, toutes ces personnes. Sachez que vous êtes tous concernés et que je vous remercie du courage et de ce que vous faites pour nous. Voilà. Donc, c'était court, c'était important pour moi de le dire. Si vous aussi, vous voulez les remercier, vous pouvez faire comme moi, hein. Vous pouvez leur dédier un petit message. Je pense que ça leur ferait plaisir et comme ça leur donnerait encore plus, déjà qu'ils le font, mais ils se diraient qu'ils font pas ça pour rien. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on reste confinés pour les aider, pour pas surpeupler, pour plutôt, si on veut les aider, il faut respecter ce qu'on nous demande. C'est difficile, mais il faut se dire que c'est pour un temps. Ça va pas être tout le temps comme ça. Voilà, donc c'était important pour moi de remercier, et je re-remercie, je n'arrêterai pas, je le redis, je le dis peut-être plusieurs fois dans cette vidéo, mais sans problème. Eh bien, sachez que toutes ces personnes-là, vous avez tout mon respect et franchement, merci beaucoup d'être là pour nous. Et vous qui me regardez aussi, eh bien, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.